Bien ravi de vous retrouver pour ce troisième panel de la journée. Cash is king. Qu'est-ce qu'on doit faire au moment des difficultés? Pas avoir assez de cash, ce n'est pas non plus être incapable d'en trouver. En tout cas, c'est ce que vont pouvoir développer nos panélistes. Alors, je suis ravi d'accueillir sur cette conférence Fabienne Bezit. Je me trompe à chaque fois. Fabienne, vous êtes associée en charge du restructuring chez Jones Day. Vous accompagnez tout aussi bien des acteurs français ou internationaux, des créanciers, des débiteurs, des actionnaires, des investisseurs également. On vous voit partout. Je suis ravi de vous avoir avec nous. Merci. Frédéric Joëne. Frédéric, vous êtes vous Managing Director d'Excelrise Investissement. Vous avez tout d'abord débuté comme avocat. C'est vrai. Il y a quelques temps, après vous avez rejoint FHB, ça vous fait tout le panel. Avant d'exceller dans l'investissement, alors vous avez commencé chez Vermeer, après vous êtes passé chez Naxicap, et voilà, Excelrise aujourd'hui, voilà, bouclé, c'est magnifique. Arnaud Delaunay, Arnaud, vous êtes Managing Partner de Financière 86, que vous avez monté il y a quelques années maintenant. Un homme du chiffre, des chiffres, une expérience qui va être particulièrement utile, forgée au sein de grandes maisons de la place, et vous développez aujourd'hui votre propre structure Financière 86, et on vous voit de plus en plus dans les communiqués, c'est génial. Charles-Henri Carboni, alors Charles-Henri, vous êtes administrateur judiciaire, c'est une belle étude, un BCM, vous êtes le C de la maison. Merci d'être avec nous. Enfin, voilà, pareil, belle expérience, très très belle expérience, beaucoup d'opérations et de concret du vécu. Concret vécu que partage également Philippe Slang, tout à fait au bout des tables. Voire vous dirigez Mutares en France, est également le responsable M&A au niveau international. Donc vous investissez, vous reprenez des entreprises en difficulté, bon, même chose que pour Frédéric. Alors on a le plaisir de vous retrouver un peu dans la presse en ce moment. Bon, on attend de voir quand est-ce que ça se boucle, mais voilà, le bricoleur que je suis est impatient. Pour en revenir au titre, Cash is King, alors jusqu'où est-ce que cela est vrai? Pourquoi est-ce qu'on dit parfois que le BFR est souvent finalement la ligne de vie des entreprises? BFR, le cash qui se lance. Bah, je ne sais pas si on peut dire que c'est la ligne de vie des entreprises. Ça peut aussi parfois être son meilleur faux ami, le BFR, parce que même dans des entreprises qui sont plutôt en bonne santé, qui sont en croissance, si le BFR est mal maîtrisé, s'il est mal financé, il peut jouer des tours et entraîner des difficultés pour l'entreprise. Donc c'est effectivement un des indicateurs clés dans le pilotage d'une entreprise. Et pour ça, il faut, je pense, mettre en place les bons outils pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles. Je crois que ça renvoie vraiment à une distinction qui devrait d'ailleurs dans les écoles être un peu mieux inculquée. Parce que quand on voit des jeunes qui arrivent chez nous, une des premières choses qu'on leur apprend, c'est de bien distinguer la différence, évidemment, elle est importante, mais surtout les mécaniques qui lient les deux entre l'exploitation et la trésorerie. Parce que de la même façon qu'une trésorerie mal maîtrisée peut amener à des difficultés, une trésorerie bien maîtrisée peut cacher des difficultés. Si vous avez un BFR qu'on va qualifier de négatif dans notre jargon, vous pouvez très bien avoir des pertes d'exploitation, et si vous n'avez pas des points réguliers sur votre exploitation, vous ne le savez pas nécessairement, et vous voyez que vous avez une bonne trésorerie, et donc vous êtes détendu, tout va bien, sauf que vous êtes en train de creuser votre tombe. Donc c'est vraiment les deux aspects du sujet trésorerie qu'il faut avoir à l'esprit, dans le fait qu'il peut masquer des difficultés ou en créer. Et donc, il y a une corrélation à faire avec l'exploitation et qui n'est pas toujours évidente à faire. Et je trouve que d'un point de vue théorique, on parle souvent d'exploitation, alors que la trésorerie, effectivement, est d'une certaine façon plus fondamentale. Alors, c'est plus du court terme, la trésorerie, par rapport à l'exploitation qui serait quelque chose de fond. Pour autant, si la trésorerie n'est pas au rendez-vous, on a des problèmes qui peuvent être très sérieux.
Et donc, on l'évoquera, j'imagine, ils peuvent être sérieux en amont des difficultés. Donc, il faut le maîtriser pour ne pas créer de difficultés. Et ensuite, on peut s'appuyer sur la trésorerie pour sortir de ces difficultés. C'est probablement les deux chemins que nous allons parcourir ensemble. Fabienne, vous vouliez rebondir? Oui, moi, je ne suis pas l'homme du chiffre dans ce panel, mais c'est vrai que je suis souvent assez étonnée moi-même quand on arrive sur des dossiers. La traduction, en fait, on est vraiment dans une culture, surtout dans les grands groupes et dans les LBO, dans une culture de la rentabilité, de la marge, du résultat. Et la traduction cash, elle est souvent compliquée, même pour un DAF qui a effectivement ses KPI en consolidé. Il a beaucoup de mal à le traduire souvent en social. On fait fonctionner le cash pooling de façon un peu erratique, avec du cash trap, etc., dans les filiales, qui est souvent assez mal maîtrisé. Et on a énormément de difficultés, effectivement, à retracer la trésorerie réelle de la société. Même pour des sociétés ou des groupes qui, a priori, viennent me voir pour une restructuration financière, on se retrouve parfois à reconnaître aussi que la trésorerie a été mal gérée, qu'à un moment où on est effectivement dans des situations de croissance, ou en tout cas il n'y a pas de difficulté avérée, il faut aussi en profiter pour négocier ses courts termes et ne pas attendre d'être dans des situations où ils sont sur le point d'être dénoncés ou qui n'existent pas. Voilà. Il y a de grandes différences entre entreprises sous LBO ou qui ne le sont pas. Alors effectivement, oui, il y a quand même une différence, parce qu'au-delà du BFR, une entreprise sous LBO va avoir une dette importante en fonction du niveau de levier à rembourser. Et ce n'est pas du BFR, mais quelque part c'est un engagement qu'elle a pris et qui vient peser sur sa trésorerie. Donc des dérèglements de BFR comme on peut en constater actuellement, c'est-à-dire notamment qui relèvent du crédit inter-entreprise pendant cette crise sanitaire, où on a tendance à payer un peu plus tard ses fournisseurs et à relancer un peu moins fortement les clients qui sont en retard. C'est vrai que le fait d'avoir en plus des engagements vis-à-vis des d'actionnaires financiers ou de partenaires financiers de mezzaneurs ou de banquiers seniors fait peser une vraie pénalité, j'ai envie de dire, sur la trésorerie. Charles-Henri, vous partagez, ou Philippe d'ailleurs? Oh bah sur la notion d'investisseur LBO, Philippe est plus pertinent, donc nous l'écoutons. Non, et alors, Mutares, on a la particularité d'investir dans des sociétés qui ne permettent pas une opération à effet de levier. Donc on peut rarement parler d'LBO, néanmoins on est une société cotée, donc on a un certain nombre d'engagements vis-à-vis de nos actionnaires. On a également des exigences de rentabilité, mais j'ai tendance à dire que pour tout investisseur, et notamment dans ces situations complexes, le BFR est clé, et il est clé dès l'investissement. Et c'est dans le dimensionnement des besoins de trésorerie nécessaires pour investir dans des sociétés en difficulté, c'est probablement l'aspect sur lequel on peut le plus vite se tromper. Alors, certainement dans les reprises en procédure, hein, avec Charles et Fabienne, mais également dans une opération de détourage ou de carve-out auprès d'un grand groupe, la culture BFR est souvent assez limitée au niveau de l'entreprise reprise. Et elle est limitée parce que la gestion de la trésorerie est effectuée au niveau du groupe, parce que les tensions de BFR ou les besoins de gérer sa trésorerie au cordeau ne sont pas forcément obligatoires. Et donc la phase d'analyse du BFR et sa compréhension est clé dès l'origine pour que l'investissement se passe bien ensuite. Et beaucoup d'éléments sont à analyser, parce que le BFR peut évoluer très fortement après closing, après l'acquisition, et même avant closing. À partir du moment où un grand groupe annonce la cession d'une filiale en difficulté, les assureurs crédits commencent à regarder la société, les partenaires commencent à regarder la société, vous aviez de la tension sur le poste fournisseur, cette tension s'accentue après. Et puis, il y a un besoin d'apporter une compétence immédiate en gestion de BFR dans les équipes qui est absolument clé dans ce type de reprise. Dernière chose dans le BFR,
dans les reprises en carve-out, auprès de grands groupes, en général, il y a la mise en place d'un certain nombre d'accords commerciaux avec le groupe, soit de fourniture, soit de fourniture du groupe à la société, soit de la société au groupe. Et là aussi, c'est une partie très importante à négocier en amont pour s'assurer que les délais de paiement, que les conditions de paiement tiennent et que l'investissement se passe bien. Juste un petit mot pour conclure sur la structure LBO. Évidemment qu'elle est une contrainte supplémentaire pour l'entreprise, parce qu'il y a un service de la dette qui est souvent assez lourd et qui est généralement la priorité de la direction financière, et c'est assez logique. Aussi parce qu'il y a des covenants à respecter, et souvent des covenants de minimum de trésorerie ou de dette financière nette. Et c'est là aussi que dans les structures LBO, le pilotage de prêt de la trésorerie intervient. Donc oui, évidemment que c'est une contrainte supplémentaire de ce point de vue-là. La structure en elle-même est une contrainte supplémentaire. Est-ce qu'à l'inverse, le fait d'avoir été sous LBO, enfin de l'être encore au moment où on rencontre les difficultés, n'apporte pas une culture financière Oui, sans doute, c'est un peu ce que disait Philippe. Effectivement, dans les PME, ETI, souvent on a perdu la culture du tableau de trésorerie et on a perdu l'habitude, ou on n'a jamais eu l'habitude de mettre en place des arrêtés comptables mensuels et des tableaux de trésorerie mensuels et hebdomadaires qui tiennent compte des éléments de BFR et des éléments d'investissement aussi. C'est un lien aussi avec la structure de LBO, parce que la tentation peut être rapide de amputer les investissements et donc souvent la croissance de demain pour pouvoir respecter soit ses covenants, soit le service de la dette. Donc c'est vrai que les entreprises sous LBO généralement ont une culture financière de fait qui est un peu plus forte et donc dispose d'outils un petit peu plus développés pour piloter la trésorerie, parce que justement il y a ces contraintes-là propres à la structure du LBO. Et concrètement, Arnaud, quand vous arrivez dans une entreprise comme ça, quand on fait appel à vos services, les premiers réflexes, les premières actions ? Les premiers réflexes, c'est effectivement de regarder la répartition entre les besoins, les différents agrégats de la société, de bien comprendre le lien qu'il y a entre la rentabilité, la structure bilancielle, notamment celle du financement, s'il a été sous LBO ou non, et le niveau de trésorerie et comment tout cela se décline et à quel horizon. C'est-à-dire qu'une entreprise, il va falloir rapporter ça au modèle économique de l'entreprise et de se dire, quelle est la durée de mon cycle de production, de vente, dans lequel je vais utiliser de la trésorerie et à quel moment elle revient dans l'entreprise, avec plus ou moins de marge, mais j'ai envie de dire qu'à ce stade, c'est peut-être anecdotique si ce qui nous intéresse, c'est soit la consommation de cash, soit la génération de cash ou la régénération de cash. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre, parce qu'en fait, on a généralement une organisation qui tourne autour de ça et l'entreprise est tournée autour de ça. Donc il faut bien comprendre ce modèle économique, sinon on ne peut pas savoir où est-ce qu'on a éventuellement de la déperdition, changement de paiement. C'est ce qu'on observe souvent quand une entreprise entre en procédure, par exemple. Elle perd tout crédit fournisseur. Le crédit fournisseur, c'est un crédit très important qui permet à l'entreprise de financer son cycle d'exploitation en partie, pas que, mais en partie. Voilà. Donc c'est très important de bien comprendre qu'est-ce qui finance quoi. Et effectivement, une entreprise qui est sous LBO, elle a des ressources entre guillemets long terme, même si je ne sais pas si 5 ou 8 ans de cycle d'investissement, c'est vraiment long terme, mais on lui met à disposition quand même des ressources à plus long terme qu'il faut qu'elle utilise intelligemment, peut-être pour partie pour le BFR, mais en tout cas, il ne faudra pas le dire, puisqu'a priori, il y a d'autres systèmes comme le Factor qui permettent de financer ce cycle d'exploitation. Charles-Henri, c'est la même chose. Ça, selon le momentum de la procédure, il va y avoir également une appréciation différente. Déjà, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir se dessiner une grande ligne de paradoxe dans les premières interventions. Finalement, on a tous dit un peu la même chose. C'est vital et paradoxalement, c'est finalement peu visité, il y a peu de culture référente au cash, donc il y a vraiment un paradoxe, et d'autant plus étonnant qu'on ne se penche pas plus sur ce sujet, sauf cas exceptionnel de LBO, etc., effectivement, mais ça n'est pas dans la culture des entreprises, et j'avais une pensée qui m'arrivait, qui est, imaginez, donc, quand vous cherchez un financement extérieur avec des fonds d'investissement ou des financiers qui ont cette culture, ils vont regarder ce sujet. Mais finalement, alors peut-être que le Covid va changer ça aussi, quand vous allez chercher des financements chez les banquiers, je n'ai encore jamais vu des banquiers me parler de trésorerie. Si ce n'est pour dire, oubliez le DAI, allez chez notre Factor, mais ça c'est plutôt des stratégies de banques qui ont voulu sortir ça de chez eux et le mettre ailleurs.
Mais sinon, quand ils analysent la situation d'une société, en général, on ne parle que d'EBITDA, de résultats, c'est ce qu'évoquait Fabienne tout à l'heure. Et je trouve que c'est un paradoxe sur lequel il convient vraiment d'insister. Alors, sur le phasage des momentum de possibles procédures, puisqu'administrateur judiciaire, on est confronté à du judiciaire ou à du semi-judiciaire, dans la procédure amiable, je dirais attention à un sujet qui a été esquissé tout à l'heure très rapidement, mais le sujet des assureurs crédits, pour moi, est central. Et ça touche aussi à un autre sujet qu'on voit dans les procédures amiables, qui est celui de la confidentialité et de l'action des assureurs crédits. Moi, j'ai vu plusieurs dossiers qui ont été très abîmés en phase de conciliation ou de mandat ad hoc, parce que les assureurs crédits ont appris par la bande qu'eux et ont dégradé. Et comme on n'a pas de relation contractuelle, on ne va pas faire un cours sur les assureurs crédits, on sait tous comment ça, la mécanique fonctionne, mais donc on n'a pas, la société considérée n'a pas de convention bilatérale avec les assureurs crédits, donc les assureurs crédits n'ont pas de compte à rendre sur ce qu'ils font ou comment ils le font. Ils puisent leur information, on ne sait pas où, et ils prennent des décisions dont on ne connaît pas la génération. Et ça peut donner des surprises très mauvaises et très rapides sur le BFR à partir du moment où les fournisseurs sont dégradés. De l'autre côté, si on est dans une phase plus avancée des difficultés en redressement judiciaire derrière, première chose, attention à la trésorerie. La période d'observation, comme vous le savez, ne doit pas conduire à générer de nouvelles dettes. Or, vous pouvez très bien être équilibré en exploitation, ça ne suffit pas. Puisque si cet équilibre d'exploitation se traduit par un déséquilibre de trésorerie, le tribunal va siffler la fin de la partie et la période d'observation ne pourra pas se poursuivre. Et plus positivement, quand il s'agit de construire un plan de sortie, donc là on est toujours dans la phase judiciaire, on voit des dossiers difficiles qui sortent par le haut parce que là on va chercher un partenaire qui amène de la trésorerie et qui permet un levier pour venir écraser, terme un peu vulgaire, mais la dette, en faisant une proposition à option aux créanciers, 30% cash contre 70% d'abandon, ou 100% sur 10 ans, sur une durée très longue. Et on voit bien que, surtout par les temps de trésorerie rare, les créanciers sont assez, en général assez positifs sur cette approche, à l'exclusion des créanciers publics, fiscaux, sociaux, qui ne peuvent pas accepter d'abandon, sauf particularité très, très complexe. Donc Philippe ou Frédéric, c'est à ce moment-là qu'on vient vous chercher ? Alors, nous, encore une fois, on vient nous chercher généralement lorsqu'un grand groupe souhaite se désengager d'une activité. Donc c'est un petit peu particulier. Vous avez un grand groupe qui est en bonne santé, qui ne se pose pas la question de l'assurance crédit, qui ne se pose pas la question des garanties, qui ne se pose pas la question de son poste fournisseur. Vous avez une filiale ou des actifs qui sont en difficulté majeure, parfois en sous-performance ou en rentabilité négative. Et puis vous avez un acteur du retournement. Qui dit acteur du retournement dit attention, la société ne va pas très bien. Du coup, la difficulté, si on reprend les assureurs crédits à ce moment-là, c'est d'arriver à expliquer aux vendeurs, en l'occurrence, qu'il va y avoir un besoin de financement important sur ce poste fournisseur et qu'il faut le financer. L'autre difficulté, c'est que ce n'est pas le cas de tous les secteurs, mais on connaît tous les secteurs qu'on aime moins. Sur beaucoup de secteurs, personne ne va vouloir financer une potentielle dégradation du BFR. Je prends les acteurs, le secteur du retail récemment, c'est un cas typique. Vous avez une société qui perd relativement peu d'argent en compte d'exploitation, qui peut avoir un BFR négatif structurel, qui, au moment où le groupe annonce sa vente, va se retrouver avec une dégradation fournisseur complète, va avoir besoin de l'aide de crédit pour faire des achats, va devoir financer des pics de BFR pour ses saisons, et donc des besoins de trésorerie qui peuvent être très importants et surtout beaucoup plus importants que la perte en compte de résultat. Donc, encore une fois, les assureurs crédits sont clés dans ce mécanisme, les financements sont clés, et l'analyse fine de ses fournisseurs et de son BFR, elle est essentielle en amont. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut être assez prudent dans cette phase-là, parce qu'on a toujours plus de mauvaises surprises que de bonnes surprises. Ensuite, c'est le travail de l'investissement lui-même, du cours de la vie de l'investissement, de la qualité de ses dirigeants, de ses conseils, de continuer à créer un rapport de confiance, de démontrer que la phase de retournement fonctionne pour recréer du BFR. Mais paradoxalement, c'est là où il en a plus besoin que c'est le plus difficile, c'est toujours pareil. Fabienne, ce sont des cas de figure que vous rencontrez souvent ?
Oui, oui. Enfin, ce que dit Philippe est tout à fait exact. Pour l'avoir connu sur des dossiers communs où on a négocié âprement avec le vendeur de la mise en place d'accords de transition pour pouvoir bénéficier pendant un certain temps de la politique d'achat avantageuse du groupe qui opérait le carve-out, par exemple, c'est des solutions. Pour revenir sur ce que disait Charles-Henri, effectivement, dans les procédures de mandat ad hoc, ou, enfin les procédures amiables plus généralement, ou les procédures de redressement judiciaire, donc quand on est dans des phases où la société, effectivement, est en situation de difficulté avérée, donc a priori une situation de trésorerie difficile, on a des solutions, encore une fois, avec beaucoup d'énergie et de conviction. On arrive à mettre en place des reverse factoring, on arrive à mettre en place des affacturages à la commande, on arrive à maintenir des L6, mais c'est vrai que c'est des quick wins pour essayer de pouvoir mener les discussions sur une durée quand même qui est assez contrainte. Quand même, peut-être, je rappeler un petit contexte historique, parce que le monde est tel qu'il est aujourd'hui, même s'il est bouleversé en ce moment. Mais si on regarde il y a une vingtaine d'années ou même une quinzaine d'années, il y a une chose qui a fondamentalement changé. Je rebondis sur ce que disait Fabienne sur les gisements de trésorerie qu'on peut aller chercher quand on est en difficulté. En fait, il y a encore quelques années, les sociétés étaient propriétaires de leurs actifs, en particulier de leurs actifs immobiliers, de leur matériel et de leurs comptes clients, qui n'étaient pas toujours mobilisés. Et donc, quand on avait une crise qui arrivait, on avait en urgence quelques leviers qu'on pouvait activer assez vite. On avait, nous, l'administrateur judiciaire et les conseils aussi, l'habitude d'aller mobiliser du compte client qui ne l'était pas, faire un leaseback sur de l'immobilier. Enfin bon, il y avait un certain nombre de choses parce que les sociétés étaient propriétaires de leurs actifs. Il ne vous aura pas échappé au cours des dernières années que le modèle économique global a changé et que les sociétés ont plutôt des engagements hors bilan que des actifs. Et donc, vous n'avez pas de levier. Quand vous êtes en difficulté, il faut un extérieur qui arrive, il faut une banque ou un investisseur, parce que sur ses ressources internes, la société n'a pas de levier d'urgence. Le matériel est en crédit bail, le compte client est mobilisé, et l'immobilier est probablement en crédit bail aussi. Donc, on a moins de moyens qu'on en avait, et donc on doit être plus créatif d'un point de vue ingénierie financière, du coup. Tout le monde est aussi sophistiqué, enfin tout le monde arrive, enfin sophistiqué entre guillemets, tout le monde arrive vraiment comme un verre au moment de la procédure. Les outils, effectivement, que décrivait Charles-Henri sont beaucoup démocratisés, c'est vrai, sur les dernières années. Et il a raison de dire qu'il y a des financements qui paraissaient un petit peu plus sportifs ou baroques il y a quelques années, qui sont devenus monnaie courante, si je puis dire. Et il a raison de dire que les sociétés qui arrivent en procédure collective, généralement, ont été essorées de leurs actifs parce qu'elles ont cherché par tout moyen à se financer. Les stocks sont gagés, le compte client est effectivement mobilisé. Donc les actifs immobiliers ont été refinancés il y a longtemps. Donc c'est vrai que c'est une vraie problématique et c'est une réalité. Et Charles-Henri disait, c'est pour ces raisons-là qu'on se tourne vers les investisseurs, mais c'est embêtant parce que les investisseurs dans ces situations-là aime bien quand même s'appuyer aussi sur des actifs pour avoir un minimum de sécurité dans des cas d'investissement dont on sait qu'ils sont évidemment particulièrement risqués. Donc on arrive à des situations de blocage. Vous avez quand même de moins en moins d'investisseurs aujourd'hui qui se laissent tenter par l'aventure, en tout cas dans un cas aussi qu'évoquait Charles-Henri tout à l'heure, qui est le cas des plans de continuation où l'investisseur va arriver. Et où là, pour le coup, cash is king, parce qu'on va pouvoir offrir une proposition aux créanciers de traitement du passif, ce qu'on appelle une option courte, pour obtenir en contrepartie un abandon de créance. Mais ces cas-là sont devenus quand même assez rares, parce que finalement, ça présente rarement plus d'intérêt qu'un plan de cession. Et à la fin, quand il reste de la dette, parce que là, on arrive au moment où, ça y est, vous êtes rentré, vous êtes dans l'entreprise, il faut gérer. Premières actions, enfin il n'y a plus rien d'accord, mais il faut quand même aller en trouver. Comment on fait ? Il n'y a pas tellement de miracles, soit on met du cash, c'est évidemment le rôle de l'investisseur, il faut avoir
foi dans ce qu'on fait, dans le business model, et surtout l'avoir énormément analysé. Il y a beaucoup de plans de cession d'ailleurs qui échouent parce que pour une estimation trop aléatoire ou pas assez prudente justement des éléments de BFR, on pense qu'on va reconstituer plus vite que prévu du crédit fournisseur, et la réalité c'est que c'est très long même après un plan de cession, parce qu'une procédure collective laisse des traces toujours. Et donc, les leviers activés. Il y a un point qui a été évoqué tout à l'heure, qui était celui des assureurs crédits. Alors, sans l'aborder trop naïvement, je pense quand même qu'il faut réussir à aller communiquer auprès des assureurs crédits suffisamment tôt sur le plan de redressement qui est mis en place, sur l'entrée d'un nouvel actionnaire, et puis sur les actions qui vont être entreprises pour redresser l'exploitation. Alors, il ne faut pas être naïf, ça ne va pas rapporter tout de suite la mise en place de lignes très significatives, mais ça peut quand même rassurer l'assureur crédit, et ça peut obtenir, si on arrive à obtenir ne serait-ce que 10 000 euros ou un petit peu de détente sur les lignes mises en place, ça envoie un signal positif à tout l'environnement de l'entreprise et aux autres partenaires de l'entreprise, et ça peut générer un peu de crédit interne qui est très utile dans ces périodes-là. Moi, on parlait également pour sécuriser de mise en place de fiducie parfois pour certains fournisseurs. C'est des choses que vous voyez, Fabienne. Il y a d'autres mécanismes également. La fiducie, oui, elle s'est beaucoup démocratisée. Alors, il y a tout type de fiducie, mais c'est vrai que quand on n'a plus d'actifs, ça commence à devenir un peu complexe. Mais pour reprendre ce que disait Frédéric à l'instant, la problématique du financement new money, c'est qu'effectivement, il faut le sécuriser. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de fiducies sur des titres de filiales. Ça, c'était ce qui a été mis en place de façon assez... courante, parce qu'en plus, on sait que ça, c'est protégé en cas de procédure collective, etc. Donc ça, c'est un outil qui fonctionne quand même assez bien pour les investisseurs. On voit de plus en plus aussi de fiducies sur les stocks, c'est-à-dire une fiducie sur les titres d'une société qui collecte l'intégralité des stocks d'un groupe, par exemple, qui est adossé à un gage sur stock. Et qui, effectivement, dès lors qu'il y a une problématique de remboursement du crédit, la société devient gérée par la société qui a financé le crédit et l'achat de tous ces stocks. Donc oui, ça s'est pas mal démocratisé et c'est assez utilisé et efficace, je dirais. Je voulais juste ajouter un petit mot sur tout ce qui a été dit, effectivement, notamment dans le cadre d'une reprise d'une entreprise, soit que si elle est en plan par voie de continuation ou à la barre du tribunal. Il y a aussi tout un aspect, on a parlé de la dette fournisseur, on a parlé de la dette financière, mais il faut penser aussi au chiffre d'affaires. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a du bon et du mauvais chiffre d'affaires, et dans le cadre d'une reprise, c'est pas inutile d'aller discuter des conditions de ce chiffre d'affaires, d'engagement de volume avec les principaux clients, de conditions de paiement, parce qu'on peut gagner aussi quelque part indirectement une bouffée d'oxygène au niveau de la trésorerie post-reprise, à avoir fait tout ce travail-là, qui peut être exhaustif. Généralement, il y a 3-4 très gros clients qu'il faut absolument sécuriser. Et on le fait, les professionnels de la reprise d'entreprises effectivement en difficulté ou d'entreprises qui sont sous-performantes le savent très bien, c'est une partie indispensable. En dehors de sécuriser les choses en l'état, on peut arriver à gratter des délais de paiement aménagés, on peut arriver à trouver peut-être un taux de marge un peu amélioré, un instant de raison pour aider à la reprise. On peut trouver un certain nombre de choses, voire parfois des prêts de BFR de certains clients, notamment si on est sur la reprise de sous-traitants dans certains secteurs. Je pense à l'automobile, je pense à l'aéronautique, où on peut demander des prêts de BFR aux constructeurs qui vont venir soulager la trésorerie sur un instant limité, mais on sait que le gros danger, c'est, alors là je pars sous le contrôle des investisseurs, mais c'est les 24 premiers mois. Peut-être que sur cette période-là, c'est aussi une piste à travailler pour régénérer et donner plus de chances à la reprise de réussir. Philippe ou Frédéric ? Non, mais je suis assez d'accord avec ce que disait Frédéric tout à l'heure. Il faut arriver à communiquer un maximum en amont sur ce qu'on veut faire et ensuite démontrer qu'on arrive à le faire. Alors ça n'aide pas tout le temps, mais ça peut que aider, et que ce soit au niveau des clients, que ce soit au niveau des fournisseurs, au niveau des partenaires bancaires. Nous, notre rôle en apportant
des nouvelles trésoreries dans l'entreprise, c'est aussi d'arriver à leverager cet apport. Donc, en l'apportant, d'obtenir de l'autre partenaire, de voir l'investissement qui est fait et d'obtenir de leur part un support également, que ce soit financement d'actifs, financement de lignes de BFR également qui arrive, ou aide de la part des clients ou des fournisseurs. Donc, je suis en ligne avec ça. Le dirigeant ou l'équipe de direction, qu'est-ce que vous lui demandez quand vous arrivez? Ces premiers réflexes à avoir, vos premières demandes sont lesquelles? Je vais faire une réponse un peu bateau, mais vous regardez. Oui, ça dépend. S'il est bon, oui. Après, c'est une question hyper compliquée parce qu'il y a des dirigeants qui sont excellents pour gérer de la croissance et il y en a d'autres qui sont moins rompus à l'exercice de faire de la décroissance ou de gérer de la décroissance et de la difficulté. Mais c'est quand même de moins en moins vrai parce qu'il y a des histoires à démontrer que les dirigeants savaient s'adapter aussi. Mais ce qu'on leur demande en premier, à mon avis, c'est de la transparence quand on est investisseur parce qu'il n'y a rien de pire que de découvrir les choses à la dernière minute. C'est à nouveau une réponse un peu convenue, mais c'est une réalité. Il vaut mieux avoir l'information et pour ça, s'assurer que les dirigeants ont mis en place les bons outils pour transmettre l'information au bon moment. Parce que dans ce qu'on fait, et d'une manière générale, l'anticipation est quand même clé. Et donc la transparence est quand même beaucoup le moteur de l'anticipation. Philippe, pareil? Alors, ou un peu différent? Oui, on a tendance à garder les dirigeants. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Je dirais que par rapport à une certaine époque, aujourd'hui, les groupes, lorsqu'ils cèdent les filières en difficulté, ont quand même tenté de trouver une solution à ces problèmes. Ce qui a pu passer par le renouvellement de l'équipe de direction, des vrais plans qui sont mis en place. Alors peut-être qu'il y a une dizaine d'années, on voyait plus de dossiers où on laisse faire le repreneur et donc il y avait besoin de plus de changements dans l'équipe de direction. Néanmoins, dans notre modèle, nous, on a la particularité d'envoyer nos équipes Mutares dans la société, donc pour acquérir de la transparence, pour coacher le dirigeant, parfois aussi pour prendre un certain nombre de fonctions de direction, parce que dans ces opérations de détourage de grands groupes, il n'y a pas toujours de direction. En tout cas, il peut y avoir des trous, il peut manquer un dirigeant, manquer un directeur financier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent une grande absence de la culture cash. Et celle-là, il faut l'instaurer immédiatement, que ce soit en termes de mise en place de processus de paiement, de vrais comptes, de s'asseoir sur la caisse, comme on dit, que ce soit dans les prévisions de trésorerie. Et donc, ça, c'est l'aspect, je dirais, clé, technique et rapide qu'on met en place immédiatement et qui est un vrai changement de culture par rapport à la vie dans un plus grand groupe. Après, il peut rester également de la dette parfois. Comment on équilibre, comment on joue, on choisit entre l'opérationnel et le remboursement, le service de sa dette? Quels doivent être les drivers au niveau de l'entreprise? C'est compliqué parce que les deux sont utiles. Les deux sont utiles. Évidemment que par définition, si l'opérationnel se passe mal, on aura du mal à servir la dette. Donc évidemment qu'il faut avoir les yeux rivés avant tout sur les KPI de l'exploitation et surtout sur la génération de trésorerie qui doit permettre de rembourser la dette. Mais à un moment donné, Charles-Henri le sait bien, je pense que personne n'a intérêt à sacrifier l'opérationnel pour servir une échéance de dette et se retrouver le lendemain matin en état de cessation des paiements en catastrophe avec plus un euro en caisse pour affronter une période d'observation. Je pense que c'est le cas le pire et c'est aussi à ça, pour éviter ce type de scénario, que la prévention a été mise en place. Et je pense que Charles-Henri pourra peut-être... Charles-Henri? Non, je ne peux qu'abonder, effectivement. C'est clair. Fabienne, à ce niveau-là d'ailleurs, enfin, vous pouvez accompagner juridiquement parlant, le juridique peut apporter pour aider à trouver des solutions dans la relation. Oui, tout à fait. C'est souvent d'ailleurs les premiers arbitrages qui doivent être faits quand on est interrogé par un groupe. Donc après, je ne vais pas vous faire un cours sur tout ce qui est responsabilité, nullité de période suspecte et autres, mais c'est d'ailleurs souvent à partir de ces arbitrages-là que
je rejoins Frédéric là-dessus, qu'on conseille aussi l'entrée dans une procédure amiable où on va pouvoir effectivement être supervisé par les bons offices d'un Charles Henry, par exemple, qui permet aussi de effectivement, faire un peu atterrir et remettre le centre de gravité opérationnel au centre des discussions, même quand il s'agit de discuter sur une restructuration financière de haut de bilan, parce qu'il faut aussi que... on garde à l'esprit qu'il faut quand même qu'on trouve une solution qui crée de la valeur à long terme. Voilà. Donc, Philippe, il serait possible de développer, et après je poserai la question à Frédéric, sur un cas concret par exemple que vous avez pu voir, une entreprise, quand on parlait d'action, qu'est-ce qui a été mis en place, en œuvre, juste pour ressortir le cash? Non, mais je ne vais pas forcément citer les entreprises sur lesquelles on a eu recours à des procédures amiables, mais c'est vrai que ça a été utile. Et les procédures amiables, les procédures de prévention, elles sont utiles parce qu'elles permettent aussi d'agréger tout un microcosme autour de la participation, que ce soit les conseils, que ce soit les spécialistes du cash, que ce soit les administrateurs, et de trouver des solutions avec les partenaires financiers. Pour passer des passages difficiles. On a eu recours sur une participation qui aujourd'hui se porte très bien, donc c'est une bonne chose. Maintenant, effectivement, attention quand on l'utilise, parce que ça peut avoir des effets négatifs aussi sur des choses qui marchent très bien par ailleurs. Si je peux parler d'exemples concrets de ce qu'on fait, encore une fois, c'est la recherche de financement tout au long de la vie de la participation. Dès l'origine, alors la chance qu'on a dans des détourages de groupes, c'est qu'ils restent régulièrement des actifs, et il faut surtout, au moment de l'analyse et de l'audit d'acquisition, arriver à déterminer tous les financements qu'on peut mettre dessus. Ils ne sont pas forcément activés, mais ils sont plus faciles à activer au moment où la société vient de recevoir une nouvelle injection de trésorerie qu'au moment où elle se situe dans une période difficile. Donc, que ce soit des financements alors en factor, en sale and lease back, de gage sur stock, de financement de BFR, il faut le faire dès l'origine. Et ensuite, très concrètement, ce que font nos entreprises et nos dirigeants, c'est de rechercher ensuite des financements plus locaux, y compris des aides locales, des aides publiques sur des financements de ligne d'investissement ou des refinancements. En tout cas, je ne sais pas si c'est très concret, mais il faut en permanence avoir l'œil sur les financements existants et possibles. Frédéric ? Oui, je suis évidemment d'accord. Moi, sans citer d'exemple aussi, hein, mais je pense que tous les outils qu'on a évoqués, toute la panel, on a eu un moment à les utiliser. À un moment ou à un autre dans la vie d'une participation. Donc, on l'avait pas cité, mais les financements locaux, on n'y pense pas forcément, et il y a beaucoup de choses qui existent parce qu'il y a peu de communication qui est faite sur ces outils-là. Il y a beaucoup de fonds locaux d'accompagnement qui sont pas forcément sur les mêmes logiques que les fonds traditionnels, et notamment des objectifs de rentabilité. Il y a des tas de subventions qui existent aussi qu'il faut aller activer. Et en grattant bien, on trouve des choses, c'est vrai. Comment vous faites pour les identifier ? Il faut rechercher, il faut... Alors vous-même, vous faites accompagner, c'est... Soit on se fait accompagner, mais nous, on aime bien faire les choses nous-mêmes aussi, un peu. Donc, on cherche, on creuse. Et puis, c'est souvent à trouver dans l'environnement local d'un site, d'une filiale, donc, ou d'un établissement secondaire. Et c'est dans cet environnement direct, économique, local, qu'on trouve les solutions. Voilà, il ne faut pas se cacher. Charles-Henri. Un sujet qui n'a pas été abordé ou esquissé, qui est un des leviers auxquels on peut avoir recours parfois, c'est la renégociation des contrats en cours. Alors, ça peut se faire en amont d'une procédure collective, dans l'amiable. C'est plus compliqué, parce que là, c'est plutôt, je prends le cas typique, on a été confronté d'ailleurs à un groupe de BTP important, qui a des chantiers importants pour des dizaines ou des centaines de millions d'euros. Et en fait, il arrive encore, même sur des groupes de taille moyenne, justement, qu'il n'y ait pas une compta analytique très au point sur les chantiers. Et donc, ce sont des commerciaux qui vont chercher les chantiers. Et puis, si vous décortiquez le contrat, vous vous rendez compte qu'on perd de l'argent.
Et donc, quand la difficulté commence à se faire jour, mettons pour la beauté du raisonnement qu'on soit à mi-chemin de l'exécution du contrat, avec des procédures d'appel d'offres qui ont amené à ce contrat. Si vous êtes en procédure amiable, vous n'avez pas le levier de la résiliation possible par l'administrateur judiciaire, bien sûr. En revanche, vous pouvez dire, si on poursuit ce contrat, mais faut-il encore démontrer au co-contractant que le contrat est déséquilibré, qu'en général, il ne sait pas lui-même, parce que la société elle-même ne le sait pas d'ailleurs. Donc on le démontre, on va voir le co-contractant et on lui dit, regardez, là, OK, le chiffre d'affaires, c'est 100 du contrat, c'est très bien, mais nous, on perd 10 si on va au bout. Donc il vaut mieux le résilier et arrêter de faire des pertes. Et vous, vous allez vous retrouver au milieu d'un chantier avec une société défaillante. Il faut refaire un appel d'offres. C'est souvent des entreprises publiques, enfin des décisionnaires publics de l'autre côté. C'est très compliqué. Et donc quand on prend la peine d'expliquer les choses, en général, on arrive à négocier et à revaloriser le contrat en sorte qu'il soit juste à l'équilibre déjà et qu'on arrête de perdre de l'argent avec. En redressement judiciaire, c'est encore plus facile puisque là, on peut résilier le contrat et les indemnités de résiliation pour résiliation anticipée sont à déclarer au passif. Donc, on est un peu plus costaud dans la posture. Mais l'idée reste la même, c'est de démontrer, d'abord d'aller débusquer avec les auditeurs là où sont les contrats déséquilibrés, parce qu'on en trouve en général, on en trouve, et puis ensuite d'aller les renégocier de bonne foi et en toute transparence avec le co-contractant qui, en général, accepte parce que c'est plus pénalisant pour lui d'aller rechercher une nouvelle entreprise, de repartir sur un appel d'offres, etc. Alors, on a une question, pas de la salle, mais du net. Alors, que pensez-vous de la facturage qui permet aujourd'hui de financer aussi des commandes comme outil de financement flexible dans ces périodes ? Qui se lance ? J'avais dit un mot tout à l'heure. Donc, d'abord, la facturage, en tout cas le sentiment de chez nous, on a l'impression que ça a été poussé par les banques. Alors, pourquoi ? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais en tout cas, j'ai constaté que ça n'était pas tant les entreprises qui allaient chercher la facturage, sauf crise, mais c'était surtout les banques qui avaient en général des lignes de DAI ou d'escompte et qui ont décidé pour des raisons stratégiques, politiques, économiques, je ne sais pas, de sortir de ce modèle, qui ont créé des filiales qui font de la facturage et qui obligent d'une certaine façon leurs clients à aller faire de la facturage plutôt que de la mobilisation de créances pour sortir le risque de chez elles, peut-être. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'on a eu des dossiers qui sont arrivés abîmés juste au sortir du process de transfert d'un modèle vers l'autre. Parce que ce que les banquiers ne vous disent pas quand ils vous envoient chez le facteur, c'est que pour commencer, ces consommateurs de trésorerie parce qu'on va constituer un fonds de garantie. Et donc, il faut être en bonne santé, paradoxalement, pour faire cette mutation. Parce que si vous êtes déjà tendu, vous allez l'être encore plus et vous pouvez créer des difficultés là où il n'y en avait pas. Arnaud ? Oui, tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on a vu une tendance assez lourde à pousser, entre guillemets, à passer sur des logiques d'affacturage plutôt que du moyen terme classique du crédit de campagne ou des autorisations de découvert à des courts termes pour financer le courant de l'activité. Pour des raisons évidentes, je pense, de garanties plus tangibles sur les encours des banques. C'est vrai que c'est un outil qui, à la fois, peut être très utile, mais qui constitue quand même un endettement pour l'entreprise supplémentaire. Faut pas l'oublier. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut rembourser l'argent. Donc, il faut être sûr de la qualité du papier. Alors, normalement, il y a les assureurs crédits et les banques et les organismes qui s'en occupent. Mais néanmoins, on peut se retrouver avec des sujets, notamment quand la production s'arrête, avec des factures non totalement causées, avec des grosses problématiques de rapprochement aussi, en fonction des activités. Ça peut être un outil qui peut être très compliqué, comme le disait Charles-Henri, qui peut être aussi assez chronophage et déstabilisateur en termes d'organisation pour les directions financières. Frédéric. Oui, non, c'est vrai. C'est sûr que ça a été poussé par les banques, sans doute, parce que c'est quand même mieux d'avoir en garantie des créances comparé à un crédit de campagne ou à un découvert à blanc. Donc oui, bien sûr, c'est pour ces raisons-là. Peut-être le seul petite nuance, c'est que l'intérêt aussi de la facturation, c'est que son coût a baissé au cours des dernières années. C'est devenu moins cher. Mais voilà. Oui. Si je peux ajouter, effectivement, là où je rejoins, c'est que la facturation, surtout en France, c'est relativement facile et c'est pas cher. Donc c'est quand même un gros avantage dans ces situations-là.
par rapport, là je prends ma casquette internationale, mais par rapport à d'autres pays où c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus complexe. Si je prends l'Angleterre, la facturage pur, on en voit peu, c'est souvent des financements d'actifs chers qui mixent actifs immobiliers, stocks et créances. En France, ça a l'avantage de pouvoir être mis en place rapidement. Attention néanmoins de bien le dimensionner, de bien calculer ce que ça va vraiment apporter. Parce qu'on peut vite avoir une ligne d'affacturage promise d'un montant important et la réalité fait que pour des raisons de concentration client, pour des raisons de qualité des clients, pour des raisons techniques de transmission des balances, on se retrouve avec des quantums beaucoup moins importants. Donc c'est un outil très utile pour nous. Ce n'est pas le seul. Et comme le disait Frédéric, il y a de nouveaux outils qui se développent et qui sont... pour lequel, pour le coup, on a vraiment besoin de conseils, on a besoin du microcosme du restructuring pour compléter l'affacturage. Enfin, néanmoins, je pense qu'on a de la chance en France avec les coûts d'affacturage et la facilité de mise en place. Ouais, après, je ne sais pas si Charles-Henri, toi, tu as rencontré ces situations, mais... dans le cadre des procédures collectives, c'est souvent très compliqué de faire l'explication de texte sur le maintien du contrat factor. Donc on a déjà des pots de garantie qui explosent. Et puis souvent, on a peu d'accès à l'interface, donc on ne sait pas trop ce qu'ils retiennent exactement. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut essayer de discuter en amont avec le factor. Sinon, on peut vraiment se retrouver avec des définancements massifs dans le cadre de périodes d'observation. Donc ça, c'est quand même un peu... un peu gênant. Sur la facturage à la commande, moi, je trouve que c'est un outil qui est utile, agile. D'ailleurs, le gouvernement l'avait mis en place, je pense, peut-être un petit peu tard, puisque je crois que la garantie de l'État aujourd'hui n'est plus en place au-delà de la facturage à la commande, au-delà du 31 décembre 2020. Et la mesure avait été mise en place quelques mois avant. Mais c'est vrai qu'indépendamment de ces mesures dites Covid, moi, c'est des choses que je pratiquais déjà avec les clients. Donc, je recommande, oui. Deux mots juste pour compléter et confirmer ce que disait Fabienne sur la facturage. En procédure collective, là, qui est un créneau très particulier, la première chose, c'est qu'on est un peu prisonnier des contrats et on a intérêt à les poursuivre, sauf à ce qui est vraiment un problème particulier. Parce qu'effectivement, sortir du contrat... On a le fonds de garantie qui reste bouclé jusqu'au débouclage, bloqué jusqu'au débouclage. Et si on doit mettre un autre mode de financement, il va commencer par constituer un fonds de garantie aussi. Du coup, on a une double ponction de trésorerie si on essaie de sortir du contrat. Donc, comme vous le voyez, ça ne pousse pas à le faire. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que c'est assez opaque. Alors, est-ce volontaire ou ne l'est-ce pas? On a eu, il y a quelques années, un colloque spécial avec le Conseil national et les facteurs pour essayer de comprendre comment on devait lire et comprendre leurs documents et comment on pouvait avancer sur la compréhension, encore une fois, des reportings qu'ils font, qui pour moi, encore à ce jour, sont relativement obscurs et difficilement compréhensibles. Alors, est-ce à dessein ou pas? Je ne sais pas. Une démonstration peu concluante. Hein. Oui. Le temps passe. Si on devait garder un conseil pour un dirigeant, comme ça, chacun, quel serait le conseil que vous donneriez le premier? Donc, moi, je termine, j'avais la parole, je la garde, juste pour dire que la transition sur la suite, c'est le PGE et surtout les annonces d'hier, vous avez entendu, parce qu'on se disait tous, on parle de trésorerie, on y revient, cash is king, et donc les PGE, c'était un peu le cadeau empoisonné, dans la mesure où on se disait tous dans notre microcosme, attention, le PGE, c'est sympathique, mais ça vient obérer les fonds propres, et quand vous allez avoir besoin d'un investissement de banque pour investir, du coup, pour des vrais investissements d'avenir et pas boucher un trou de trésorerie, on va vous dire, mais messieurs, vos ratios sont mauvais, vous ne pouvez plus emprunter. Donc, manifestement, le gouvernement avait ça aussi en tête, puisque les annonces qui sont faites, c'est de mettre en place 15 ou 20 milliards de prêts participatifs, justement parce que je pense que le gouvernement voit se profiler ce problème de PGE qui vient obérer la capacité d'emprunt pour le développement. Donc c'est un sujet qui va devenir fondamental dans les mois qui viennent, à mon sens. Bon, c'est bon. Bah, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous féliciter, vous remercier. Merci beaucoup. C'est l'heure. Merci. 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 Merci à tous.